Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'Interville avec les à côté de Yamoussoukro, Trècheville. Alors, comment a été le voyage? Bien, on a effectué un agréable voyage. Nous avons pu réunir les moyens possibles et puis nous sommes arrivés. Qu'en est-il de l'hébergement? En tout cas, pour l'hébergement, l'AET a mis tous les moyens possibles. Nous sommes bien hébergés. Nous, la nourriture est impeccable. Et toi, comment ça se passe? Depuis le lundi, ça se passe bien. Il y a l'engouement, il y a l'ambiance et tout. Donc on espère que jusqu'à la fin de l'Interville, ça va rester dans le même temps. Tu sais qui est votre adversaire? Trècheville. Tu penses que vous pouvez les battre? Si. Ils sont en forme, mais bon, c'est la fin. Là. Tu veux bien nous présenter les autres? Waouh! Il n'y a pas de souci. Nous avons profité de la période de flottement pour nous rendre dans les vestiaires des femmes de Yamoussoukro. Elle, c'est Mado, Madeleine, Marie-Madeleine. Il y a sa coéquipière qui n'est pas là. C'est son lit qui est là. C'est bien fort. Comment ça se passe? Bon, ça se passe bien. On est bien accueillis ici. On attend le jour de notre passage. Vous affrontez qui? Bon, contre Trècheville. Et tu penses que vous pouvez les battre? Par la grâce de Dieu, ça va aller. Avec Dieu, rien n'est impossible. Maintenant, place aux hommes. On va vous présenter la chambre des hommes, les garçons, les athlètes, les dignes représentants de la commune de Yamoussoukro. Voilà comment je présente nos chambres. Ici, c'est l'une des chambres des garçons. Je suis avec Abdoulaye, un des représentants de la ville de Yamoussoukro. Et que Trècheville se prépare parce que ça va barder. Qu'est-ce que tu penses du déroulement de votre participation à Interville? Interville se passe très bien. Bon, nous, on attend le jour de notre passage pour battre notre adversaire. On est serein. Sauf qu'on a besoin d'un peu de courage, de la force, et puis ça passe. Le capitaine nageur se repose parce qu'il se concentre. Trècheville se prépare parce que Yamoussoukro est venu. Le trophée, je rappelle, va retourner au pied de la basilique avec les 10 représentants de la commune de Yamoussoukro. Merci et à très bientôt. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Tu es fatigué? Très fatigué. Vous venez d'arriver de Yamoussoukro? Oui. Comment tu vois cette confrontation? Bon, nous sommes tous des compétiteurs et je sais qu'on va les battre. Allez, on va te laisser te reposer. Merci. En 2014, restez connectés au meilleur. Bonne année! MTN, everywhere you go. L'opposition Yamoussoukro-Trècheville a été âprement disputée. C'était un véritable choc entre deux équipes qui en voulaient. Entre deux épreuves, nous avons fait un tour dans les loges. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes là? Je suis là pour participer à Interville. En quelle qualité? En tant que pom-pom girl. Papa, papa. Et ta maman, tu filmes ton magot là, hein? Les parcs nous sont réservés. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de recharger les salades pour le jeu de l'escargot. On attend quelqu'un? J'attends Joël pour rééquiper. Joël, le démonstrateur, est là pour se faire équiper. T'as pas quoi même? Déjà fatigué? Non, on tient là-bas. Là-bas. On est là. Nous sommes à Interville et on tient. La tête a toujours tenu, même 50 ans après. Comment vont les choses? Bah, plutôt bien.
plutôt bien, plus rapide que la première. Ça commence à rentrer un petit peu. Et on a la météo avec nous, il fait une bonne température, bien agréable. Voilà. Toi encore. Après ça, là, si c'est pas des métis, ça va m'étonner. Je me lave seulement. En tout cas, jamais je me suis lavé comme ça. Le soir, là, je me suis lavé 6 fois. Aussi, j'étais à la maison. Cabri était tué. Non, ça là, ce qu'il a dit là, pourquoi tu as mis ça dans un caméra là? Dans ces loges, l'équipe de Trajuil était au briefing. Vous avez vu un peu avec les autres, hein, voilà comment on procède. C'est pareil. Il faut qu'on fasse l'effort d'être très discipliné. Hein, pour que vous nous facilitez la tâche. C'est vrai, on est tous fatigués. Mais faisons l'effort de suivre les instructions et puis facilitez-nous la tâche. Vous, quel est votre avis sur ce que vous voyez? Service est trop cool. Ça montre qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment soudés. Il y a l'union, il y a la fraternité. Parce que toutes les communes, je veux dire toutes les villes de la Côte d'Ivoire se retrouvent et participent à un si beau jeu. Alors moi, j'encourage tous les téléspectateurs à regarder Interville et c'est celui-là, RTI 1. C'est sur ces paroles qu'on se dit au revoir. Rendez-vous demain après le JT de 13h pour la suite.